Ça enregistre là, Lima, tu peux y aller. Ah bah super. Alors bonjour à tous. On va parler des formations Parcoursup que le CREPS met en place pour la rentrée de septembre 2020, T1. Donc nous avons actuellement quatre formations ouvertes sur la session Parcoursup. Moi, je vais vous en présenter trois sur quatre. Donc vous avez le BPJEPS des activités physiques pour tous, le brevet professionnel sport collectif option football et le brevet professionnel des activités aquatiques et de la natation. Donc c'est trois formations différentes, deux qui sont un petit peu, on va dire, qui se ressemblent sur quelques paramètres au niveau des sports collectifs parce que l'activité physique pour tous balaye aussi les sports collectifs et la natation qui est dans un milieu spécifique, donc aquatique. Ensuite, donc je vais vous présenter les deux premières formations qui se ressemblent, donc l'activité physique pour tous et le sport collectif football, avant de vous parler des autres formations, de l'autre formation, pardon, de la natation. Donc, si vous avez des questions pendant ma diapo, vous pouvez aussi m'interrompre et j'y répondrai, il n'y a aucun problème. Donc, vous avez le diplôme activité physique pour tous, donc multi-activité, qui va balayer différents secteurs sportifs. Donc, vous avez tout ce qui est sport terrestre, on a sport de raquette, sport collectif, sport individuel où on est sur de la gym d'entretien et de l'athlétisme. Tout ce qui est sport à dériver aussi, sport de plage. Donc, on reste bien sûr sur des sports terrestres. Et on a donc l'activité sport collectif football, qui option football, excusez-moi, qui celui-ci va balayer tous les sports collectifs et en spécificité le foot. Donc ces deux diplômes vous permettront de travailler dans la suite sur différentes associations sportives, différents clubs sportifs. Vous pouvez aussi avoir donc tout ce qui est collectivité territoriale. Donc pour tout ce qui est sport collectif, il peut y avoir un tremplin au niveau des collectivités territoriales. Les mairies embauchent pas mal de diplômés sport collectif en lien avec les clubs de foot ou autres. Donc, c'est aussi un paramètre important pour l'avenir, pour savoir si on peut travailler avec ces diplômes-là. L'activité physique pour tous, donc c'est saisonnier. Donc, on peut travailler autant l'hiver que l'été. On peut trouver des temps pleins comme on peut trouver différentes structures pour avoir un temps plein avec une association, un club, une mairie, une école. Donc on peut balayer différents secteurs. On peut et il faut absolument, en plus des BPJEPS, aussi continuer à avoir ses compétences dans le sport. Donc préparer des diplômes fédéraux. Alors pour le foot, c'est très spécifique. Là, c'est par la ligue de foot. Si on veut monter un diplôme pour devenir entraîneur spécifique de telle catégorie, là, on est obligé de passer par la ligue de football. Pour tout ce qui est multisport, il faut passer des diplômes un petit peu spécifiques. Donc, il peut y avoir des diplômes un petit peu sur le VTT, des diplômes sur un public handicap. Et tout ça, ça permet de balayer ses compétences et d'avoir un panel d'options pour pouvoir construire son temps plein dans ces activités-là. On peut créer sa propre auto-entreprise. Donc là, on est prestataire indépendant et on propose ses services en fonction des activités que vous aurez étudiées pendant la formation. Donc là, je vous montre quelques photos sur les différentes activités que vous pourrez voir pendant la formation. Donc le VTT, le roller, ce sont aussi des activités que l'on rencontre dans l'activité physique pour tous. Il y a aussi du tir à l'arc qu'on rajoute. Tout ce qui est activité de pleine nature, donc randonnée, course d'orientation, on en fait aussi dans la formation. Donc ça fait partie du diplôme, c'est obligatoire. Donc il faudra aussi s'équiper en VTT. Roller, tir à l'arc, tout ça, ce sera fourni. Par contre, le vélo, le casque et son matériel sera obligatoire durant la formation. Tenue de sport, ça reste classique pour des éducateurs sportifs. Là, à votre droite, vous avez donc une image d'une école où on intervient aussi pendant l'année de la formation dans différents établissements scolaires, que ce soit en sport collectif ou en activité physique pour tous. Il y a de la pratique en pédagogie scolaire, où ça se fera une fois par semaine, toute l'année de la formation, sur une journée complète, où vous serez donc sur un terrain avec des enfants de tout âge, donc de grandes sections, donc de 5-6 ans jusqu'au CM2, 10-11 ans.
Et vous allez balayer toutes les différents niveaux avec les différentes activités sportives que l'on vous propose dans la formation. Voilà pour ces activités multisports, donc sport collectif et activité physique pour tous. Ensuite, concernant la natation, donc l'activité aquatique de la natation, donc celle-ci va se faire donc, en partenariat en grosse partie avec la métropole de Montpellier pour tout ce qui va être accès aux piscines, pour tout ce qui va être pratique. Donc ce diplôme-là va vous permettre de travailler en association, en club privé, surtout dans les domaines d'aquagym, aquafitness, aquabike. Alors nous, on appelle ça tout ce qui est métier de la forme et du bien-être en aqua, et on met dedans tout le contenu aqua, donc comme je vous l'ai précisé, aquafitness, aquabike, aquarun, aqua. On peut mettre plein de choses. Vous avez les cours de natation particuliers. Vous avez les différents publics sur lesquels vous pouvez aussi pratiquer. Donc, ça va du bébé nageur à l'adulte à plus de 70 ans, de l'apprentissage de la natation, de l'aquaphobie. Voilà, il n'y a que les bébés nageurs. Je précise et j'insiste là-dessus, où le public, nous ne le touchons pas pendant l'année de la formation. C'est très difficile d'avoir accès pendant une formation à des bébés nageurs. Après, il faudra se mettre en relation avec les structures qui le proposent pour pouvoir le pratiquer. On vous expliquera le contenu, mais après, la pratique en soi, dans la formation, nous ne le mettons pas en place. Les débouchés d'emploi, donc service des sports, concours ETAPS, qui peut être aussi bienvenu et ce qui est beaucoup demandé dans les collectivités territoriales. Donc ça, c'est après la formation. Les MNS sont beaucoup, beaucoup demandés, que ce soit en vacataire ou sur concours, dans les piscines municipales. En auto-entreprise, c'est plus dans les structures privées où vous êtes embauché en tant que prestataire. Dans les collectivités, ils ne prennent pas les prestataires, ils prennent que des vacataires. Ou alors, après, créer sa propre entreprise, ça peut être aussi tout ce qui va être découverte et apprentissage de la natation en utilisant la côte. Hein, on a la Méditerranée juste à côté, donc on peut aussi utiliser les accessoires que l'on a à notre disposition. Je vais vous montrer une petite vidéo sur la natation et pas une photo. La vidéo va durer une petite minute. Ça va vous donner un aperçu de ce que l'on voit pendant l'année de la formation. Donc, je vais vous la mettre de suite. Vous me direz si vous entendez le son. Normalement, je l'ai partagé. Alors. Partager. Et allez, on va vider. Je crois que je ne pourrais pas vous la partager, j'y arrive pas. Je vais essayer par là. Vous me dites si vous voyez quelque chose. Est-ce que vous voyez la vidéo? Non, pas pour le moment. Personne ne la voit? D'accord. Là, vous voyez ma boîte mail, en fait, c'est ça? Oui, exactement, on voit votre boîte mail. Ouais, j'arrive pas. Oh, c'est dommage. Comment je fais pour la partager? J'y étais tout à l'heure. Alors, je retente, sinon tant pis. Je la mettrai sur le site et puis vous essaierez de la visionner, mais... Malheureusement, je crois que ça n'apparaît pas. Alors, attendez, peut-être là. Est-ce que vous voyez le fond noir, là? Ah, super. Allez, ben, c'est parti. Je vous la mets. J'espère qu'elle sera bien visionnée. Donc, elle dure une minute. Donc là, ça vous présente... un petit peu les domaines dans lesquels, sur la natation, vous allez pratiquer. Donc, ce n'est pas toute l'année en plage, mais il y a une partie.
Donc voilà, du coup, sur la partie natation, on a, vous avez vu, la vidéo était beaucoup tournée sur les activités en plage. Donc ça, c'est une première partie que l'on fait en début de formation. Ensuite, on a beaucoup d'activités en piscine aussi. Et après, vous avez tout ce qui est pratique en alternance. Vous serez en collectivité territoriale avec un public scolaire et en club ou en association pour tout ce qui sera pratique aquagym et cours de natation, entraînement. Donc ça, ce sera des alternances qu'il faudra après, si vous êtes retenu en formation, trouver. Je vous remets la diapo. Ensuite, concernant l'organisation donc, de la formation, donc les trois formations Parcoursup, donc activité physique pour tous, le sport collectif option football et l'activité aquatique de la natation, débuteront en octobre. Pas le même jour, mais débuteront en octobre 2021. L'activité physique pour tous se terminera en juin. Les sports co et la natation se termineront en mai 2022. Donc, l'organisation des cours hebdomadaires, on est sur le même format. Donc, les cours en centre auront lieu donc, de 9h à 16h30 avec la pause entre midi et 13h. Et ensuite, l'alternance qui se fera tous les mercredis donc, à la journée et chaque vacances scolaires où vous serez en alternance donc, dans vos clubs ou associations pour tout ce qui sera pratique de vos activités. Donc, ça peut être centre de loisirs pour tout ce qui est activité physique pour tous, club de foot ou alors club autre que football, c'est aussi, c'est pas une obligation que ce soit en milieu football, ça peut être dans tout autre sport collectif. Après, on a en option foot. Et les mercredis, toute la journée de l'année où vous serez aussi en alternance. Donc au CREPS, en formation, vous serez les lundis, les mardis, les jeudis, les vendredis, où on inclura tout ce qui sera pratique pédagogique en école, que ce soit en piscine ou dans les écoles directement. Donc, vous avez après tout ce qui va concerner les sélections et les tests d'exigence préalables à l'entrée en formation qui sont éliminatoires. Et pour pouvoir continuer la suite de la formation, il faudra donc les valider. Le détail de chaque test est mis dans notre dossier d'information qui est sur le site du CREPS de Montpellier. Donc, le dossier est déjà en ligne. La plupart d'entre vous qui sont déjà inscrits, vous y avez déjà accès et vous pouvez donc le télécharger pour avoir les épreuves. Parce que sur les activités physiques pour tous, vous avez le test du Luc Léger qui est éliminatoire, excusez-moi, et un parcours de motricité. Donc, chaque détail est écrit dans le dossier, donc je ne vais pas vous le lister parce qu'il est long. Pour tout ce qui est sport collectif, donc vous avez un parcours d'habilité motrice et un match de 40 minutes qui va englober deux sports collectifs. Pour la natation, c'est un 800 mètres en moins de 16 minutes. Sur un bassin de 50 mètres en extérieur ou à l'intérieur, tout dépendra des disponibilités, de 50 mètres, moins de 16 minutes, le 800 mètres, et le BNSSA qui est obligatoire avec le PSE1. Donc ça, ce sont les conditions pour pouvoir s'inscrire et pour pouvoir passer les tests d'exigence préalable. Si vous disposez de diplômes fédéraux ou de diplômes sportifs autres que fédéraux, il faut nous les transmettre dans vos dossiers d'inscription. Ils peuvent vous dispenser des tests d'exigence préalable à l'entrée en formation. Mais ça, il faut nous en informer. Si on n'est pas au courant, vous êtes obligé de passer les tests. Ensuite, concernant donc, les diplômes que l'on prépare au CREPS, donc, l'avantage que vous pouvez y trouver dans notre centre de formation, c'est qu'on est déjà on a un très grand réseau de professionnels et de partenariats avec qui on travaille depuis des années dans les différentes activités que l'on propose. Nous faisons du travail individuel et du travail collectif. Donc, on avance en fonction du niveau du groupe et on s'adapte aussi au niveau de chacun, en sachant très bien que pour tous ceux qui viennent de Parcoursup, donc vous venez quand même du milieu scolaire. Donc, on va vous demander un gros travail d'autonomie et d'apprentissage. Ça va être de l'apprentissage d'être autonome pour pouvoir donc tout ce qui va être prise de notes, travail à la maison. Et ce sera une méthode différente du lycée. Donc, c'est vraiment des choses qu'il va falloir se mettre en tête. C'est je rentre dans une formation professionnelle. Je ne suis plus dans un statut de lycéen. Je vais dans un milieu de travail. Donc, vous allez être beaucoup mis en situation pédagogique avec des mineurs, avec des adultes. Il y a toujours le lien important dans tout ce que nous allons construire entre la pratique et la théorie.
Et bien sûr, on est beaucoup sur de l'échange et du partage entre vos connaissances et nos connaissances. On transmet, on apprend aussi de vous et vous apprenez aussi de nous tout au long de l'année de la formation. Voilà, donc là, j'ai fini ma petite présentation des trois formations. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Je vous laisse la parole.